Salut les amis, c'est Delta. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de GTA V. Il me semble qu'on doit être au 29e à peu près, donc bientôt 30 épisodes. Et le 30e sera, comme promis, un épisode un peu plus détente où on va s'occuper des véhicules de chacun de nos personnages. Je remets un petit peu mon casque comme il faut, voilà, pour que je puisse entendre ma magnifique voix. Et on va du coup tout de suite commencer une nouvelle mission. C'est parti avec Michael qui se rend chez Trevor. Je vous laisse l'animation comme d'habitude. Trevor about? He's probably out somewhere drinking human blood or eating household pets. He's not that bad. Really? Well, okay, he is pretty bad. But he's got a sensitive side. Oh, yes, he's very sensitive. When he gets his feelings hurt, he's devastated. So what's your story? I ain't got a story. I'm an independent thinker. Living out here, away from the man. Ah mince, j'ai oublié de couper le son. Peut-être que vous avez eu un petit écho. Living off Je pense pas. You used to be able to manage heat. Now you're worried if your loafers are getting scuffed. Any more bullshit comes out of your mouth, you're gonna learn all about my past glories firsthand. La violence de Michael. That came out wrong, all wrong. Tell Trevor, the monthly train is coming through. What monthly train? The monthly train. Where have you two been? Getting some fresh air. Talking of manger du chien tous les deux. Yes, I hear Stockholm syndrome is very nice this time of year. Oh, hey, watch your mouth, boy. All right. It's always been a dream of ours. The train of dreams. The hell are you talking about? I'm talking about gold. Enough to keep Ron in trailers and you in therapy. Enough so that we can pay off that Mexican and get you back in town, baby! Yeah! This better be fucking good! Jesus. Fuck. Ah, man, we've talked about this hygiene thing before, bro. I invite you into my home, this is how you repay me? It's like living with a fucking horny skunk. Et du coup, on incarne cette fois-ci notre ami Trevor. On prend la moto ? La moto, voilà. C'est parti, déraillement. Oh, il me semble que c'est la mission que j'aime bien en plus avec justement le train. Sauter sur le train, exactement. C'est ce qu'on va faire. Donc c'est parti pour cette petite vidéo. Donc comme d'habitude, vous pouvez laisser des likes parce que j'aimerais parler un petit peu de ça. Donc voilà, c'est parti. Donc en tout cas, si vous avez raté des épisodes, il n'y a pas de problème, ils sont toujours sur la chaîne. Il suffit d'aller justement sur celle-ci. Vous retrouvez, je descends un petit peu le son parce que j'entends rien, je m'entends même pas parler. Et c'est un petit peu gênant. Donc du coup, vous avez juste à retrouver la playlist qui est sur la chaîne. Et vous pouvez retrouver tous les épisodes que vous avez éventuellement manqué. Je vois qu'il y a certains qui le font puisqu'il y a des vues sur la playlist, donc pourquoi pas, écoutez. De toute façon, vous faites comme vous voulez. Donc c'est bon. Pour cette petite vidéo, on commence maintenant. Et on va poursuivre ce magnifique train qui passe juste ici. Et on va pouvoir entendre Trevor faire le... Voilà. C'est tellement fort, c'est tellement puissant ce truc. Chaga 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 chaga. Ok. Allez, allez. Ça c'est toujours assez serré. Allez sur le train. Ouh. Du premier coup, c'est magnifique. Et on s'est pas planté. Allez, allez, allez. Donc justement, je vous parlais d'un petit truc à propos de la barre des likes, puisque la dernière fois dans l'épisode 27, donc c'est pas la dernière fois, mais c'est encore celle d'avant, j'avais tourné deux épisodes à la suite. Et le premier que j'ai mis, donc du coup l'épisode 27, comme je vous avais dit, a reçu quand même 11 dislikes. Donc ce qui est énorme, donc je pense savoir de quoi il s'agit. Alors bon, certains n'aiment pas le GTA, certains sont un petit peu rageux sur les bords, mais de toute façon il y en a une petite partie que j'ai réussi à retrouver. Et on va accélérer directement parce que moi je suis un gros malade avec le train. J'accélère au maximum. Donc je pense qu'il y a une grosse part de rageux, donc que j'ai retrouvé en partie et que j'ai banni
parce qu'ils avaient rien à faire sur la chaîne de toute façon. Donc voilà, que j'ai banni parce qu'ils avaient rien à faire sur la chaîne. Et si j'arrive à en retrouver d'autres, et ben je les bannirai aussi. Donc voilà, c'est des rageux qui n'argumentaient même pas hein, leur dislike, parce qu'à la limite, si vous mettez un dislike, y a pas de problème. Hein, moi, je s'il y a des dislikes sur YouTube, c'est fait vous pouvez mettre des dislikes, y a pas de problème, mais il faut les argumenter. Si vous mettez un dislike juste pour mettre un dislike, y a pas de raison. Et voilà, moi j'ai pas compris un petit peu ce truc là, il y a eu aucun commentaire à propos de ça. Donc je suis désolé, mais quand on n'argumente pas, je bannis. Je suis sans pitié là-dessus, hein, c'est... Voilà. Enfin bon, il y a eu pas mal de commentaires qui... à propos de ça, enfin... Beaucoup de gens qui étaient étonnés de voir autant de dislikes. Oui, je suis tout à fait d'accord, moi aussi j'étais le premier étonné. Donc voilà, vous pouvez remédier à ça en laissant des likes. En tout cas, les gens comme ça. J'aimerais bien les retrouver. Parce que voilà, ils ont rien à faire sur YouTube, même en général. Pas que sur ma chaîne, parce que généralement ces gens-là vont sur plusieurs chaînes pour pourrir la vie d'autres youtubeurs. Parfois même il s'agit d'autres youtubeurs. Et bon voilà, hein, d'autres youtubeurs qui n'aiment pas trop la concurrence, on citera pas de nom. Mais voilà. Et qui le font savoir. Ouh, la violence. La violence entre les trains. Même des youtubeurs qui ont plus d'abonnés. Allez, c'est parti pour ce petit train. Carré pour sélectionner l'arme suivante. Voilà, les bombes collantes. Retourne en arrière, Michael, on va poser ça tranquillement. Voilà, après j'ai d'autres hypothèses aussi. Allez. Voilà, allez hop, on ouvre ça. Allez, il va nous charger un petit peu tout ça pendant qu'on va le protéger des autres qui vont arriver. Waouh, la violence des trucs. Le wagon qui tire à rien du tout. Et on a d'autres amis qui arrivent. On va éclater. Très violemment et très gratuitement aussi. Voilà, et c'est parti. Donc d'autres hypothèses aussi, je pense que certains attendent des mystères. Et je le sais bien, ça va arriver, ne vous inquiétez pas pour ça. Ça sert à rien de demander en masse du commentaire, enfin des vidéos GTA sur d'autres vidéos. Tout simplement, parce que de toute façon ça arrivera, et puis c'est pas comme ça que vous aurez d'autres vidéos. Et c'est aussi comme ça que vous allez vous faire bannir, parce que moi j'aime pas... Je supporte pas les gens qui vont sur d'autres vidéos, par exemple du Assassin's Creed. Et certains abonnés me soutiennent d'ailleurs là-dessus. C'est que certains vont demander, par exemple, du FIFA ou du GTA ou quelque chose comme ça sur d'autres vidéos. Des vidéos déjà qui font suffisamment de vues. Vous avez eu énormément de vidéos de GTA auparavant. Donc on fait tourner un petit peu les jeux. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu... Désolé pour la coupure HD PVR. Ça reprend, voilà. Vraiment que je tourne les vidéos à d'autres moments que en soirée, parce qu'il y a des coupures d'HD PVR du coup quand on éteint la lumière ou qu'on l'allume chez moi, et c'est très problématique. Donc voilà, donc je disais, voilà, il y a certains qui demandent des commentaires sur qui mettent des commentaires sur des vidéos qui sont déjà arrivées en masse auparavant. Ok, je suppose qu'il faut que j'aille sur le bateau. C'est parti. Oh, ce magnifique plongeon de Trevor. Toujours aussi incroyable, Trevor. Allez. Surtout, prends ton temps hein, pour remonter. On va essayer de pas se faire découper par les moteurs. Passer sur les côtés. Voilà. C'est parfait. Hein. Et pendant ce temps-là, on va tirer sur les autres. En tout cas, le protéger, voilà, je m'y attendais bien. Donc, évitez de demander du GTA sur les autres vidéos, ça arrivera dans tous les cas. Les mystères arriveront, s'il n'y a pas de problème pour ça. Ok, on n'a pas de visée automatique, donc on bourrine. Les vidéos de GTA arriveront, il suffit que je me le paye sur PS4. Quand j'y penserai, faut aussi que je me paye du live, parce que du coup, je me le paye même pas pour moi, personnellement. Donc, je pense que ça arrivera pas avant un moment. Enfin, ça arrivera à un moment, hein, c'est sûr.
le GTA arrivera prochainement. Faut pas s'en faire pour ça. Ya Banzai. Ça ira, arrêtez de paniquer et patientez et regardez les autres vidéos. Plus vous regarderez les autres vidéos, plus il y aura de vues, plus j'aurai envie de vous refaire du GTA. Puisque je me dis que le GTA, si j'en balance, ça va faire facilement 1000 vues. Sauf peut-être les let's play qui font un petit peu moins, qui font 600-700 vues. Mais du coup, les autres vidéos qui arrivent difficilement à 200 vues parfois, et ben je préfère que des fois qu'elles arrivent à 500 vues facilement. Ça donne plus envie de refaire d'autres vidéos. Parce que je me dis que... voilà quoi. À la limite, je pourrais faire que du GTA, mais ça m'intéresse pas, parce que ma chaîne, c'est du GTA. Enfin, c'est du multigaming, c'est pas que du GTA. C'est pas que du FIFA aussi. Ça sert à rien de disliker les pack openings. Parce qu'il y en a qui le font, ça je sais, mais bon, ça je peux pas vous en vouloir. Ça pourrit un petit peu vos abonnements. Mais bon, aussi, en même temps, je me dis que faire des vidéos de 2-3 minutes comme ça, ça permet aussi à ceux qui sont pas là aussi que pour le gameplay, ça permet de pouvoir me voir quotidiennement. Ça permet aussi à certains qui rentrent le soir de voir un petit peu de vidéo. Bah voilà, vous avez une petite vidéo de 2-3 minutes, vous n'avez pas 20 minutes de let's play à regarder. Vous pouvez regarder ça entre deux exercices ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de problème. Et on monte sur la côte, on est fous, on est des malades. Allez, avec Michael qui a ramené une petite mallette, il me semble que c'est une statuette. Et moi je prends le petit véhicule parce qu'il est beaucoup plus pimp. Ok, bah c'est... Hey, before you go, show me the loot. On va voir ce qu'ils ont ramené, il me semble que c'est une statuette. Perfect. Perfect for fucking what? For squaring things with that Mexican psycho. We give him this, and you end your relationship with that little lady. Maybe we won't be dead men in Los Santos. I don't fucking see that Silicon City again. It'll be too soon. But this is my job, not your call to make. Nah, your job fucked things up with the Mexican to begin with. My job, my score, guess your own! Wait, you give me that case, I'll give you something bigger. What? Union Depository. Fuck off. Can't be done. I never said impossible. Just very difficult. Verging suicidal? That a line you're afraid to cross? Come on, T. You remember the dreams? A couple kids pulling jobs. The big one. I know it sounded crazy back then, huh? But hey, you and me together again. With Lester and Franklin on board. We can do this thing, T. This ain't no dream no more. Yeah. You keep the case. Fuck me. Okay, hey! All right. Here. Keep that silly fucking thing. And you can keep Patricia as well, all right? Because I respect that lady and I ain't gonna hold her back. Thank you. Just remember, I'm gonna be keeping my eye on you every inch of the way, all right? Of course. And if that bastard fucking cheats on her one more time, I don't know what I'm gonna do. You know, Trevor, we both know you're not the marrying kind. But hey, it's great to be back in business, huh? Let's bring it on. The big one! The big one! Donc ça y est, on a évoqué la première fois. En plus, on garde le truc pimp, c'est magnifique. Donc voilà, on a évoqué la mission finale, le dernier braquage, le magnifique, où on gagne 30 millions de dollars, c'est incroyable. Tant, ouais, on a pris son temps, c'est vrai. Mieux que CJ, peut-être, ça doit être en rapport avec San Andreas, pas fait attention. Donc voilà, c'est fait pour cette mission, donc voilà, c'était petit coup de gueule que je voulais passer. Mais enfin, en principe, il y a les gens qui restent pour la vidéo, parce qu'il y a aussi des gens qui regardent pas la vidéo, qui disent juste super, continue sans la regarder. Ça me saoule un petit peu d'ailleurs. Mais enfin, en principe, si vous êtes resté jusqu'ici, c'est vous êtes pas du genre à laisser des dislikes et machin comme ça. Donc voilà, en tout cas, pour ces gens qui sont en train de regarder ce moment de la vidéo, je voulais vous remercier. Ça fait plaisir d'avoir des abonnés comme vous. Donc voilà, je voulais vous parler aussi de la prochaine vidéo, comme je vous ai dit en début de vidéo, la prochaine sera plus en détente.
Donc c'est-à-dire que on va moins prendre au sérieux, etc. Un moment un petit peu cool à passer et on va se rendre directement à la prochaine mission. Et pendant le trajet, je vais vous expliquer un petit peu ce que je veux faire pour la prochaine vidéo. Donc voilà, on a 9 km pour vous expliquer un petit peu. Ça laisse le temps. Donc voilà, pour la prochaine vidéo, je voulais m'occuper un petit peu de chaque voiture de personnage pour faire. Parce que maintenant on est assez riche quand même. Ouais, enfin, Trevor qui a 500 000, ça reste raisonnable. Surtout qu'il n'a pas une voiture exceptionnelle, donc ça ira pour la pimper. Mais enfin voilà, du coup, pour les voitures, enfin pour le prochain épisode, ça sera un épisode un peu plus détente. Donc si vous avez des questions à me poser à propos du GTA principalement, puisque je pense que si vous regardez le GTA, vous êtes des abonnés. Je vais appeler ça des abonnés GTA. Donc voilà, si vous avez des questions à propos des mystères, parce que je pense que vous questionnez beaucoup à propos de ça. Et puis ça va me permettre aussi de savoir qui sont les abonnés qui regardent jusqu'au bout. C'est intéressant aussi de savoir ça. Et quel est le pourcentage aussi d'abonnés qui regardent ça. En principe, il y a aussi des abonnés qui n'ont pas de compte et qui peuvent pas laisser de commentaires. Mais qui voient cette vidéo. Donc à la limite, vous pouvez vous créer un compte. Ça permet d'échanger et tout ça. Puis ça permet aussi d'avoir des réponses à vos questions. Et c'est plus simple, vous pouvez me suivre au quotidien et tout, ça vous évite de faire un tour sur la chaîne toutes les semaines, de rater des épisodes ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est simple, créez-vous un compte, ça va vous aider pour énormément de choses. Donc vous pouvez me poser des questions auxquelles je répondrai tranquillement pour la prochaine fois. Je pense énormément parler des mystères, du futur de GTA sur la chaîne. Enfin tout ça, l'épisode prendra autant de temps qu'il prendra, enfin qu'il devra prendre, c'est-à-dire que s'il y a un certain nombre de questions, toutes les questions seront traitées. Si les voitures, ça prendra du temps, bah ça prendra du temps, écoutez, hein, de toute façon on n'est pas là pour se presser, pour rentrer dans les normes d'un épisode de 20 minutes. Ça prendra 15 minutes, ça prendra 15 minutes, ça prendra 1h30, ça prendra 1h30, même si je pense pas que ça prendra 1h30. Bon, enfin voilà, c'est parti pour la prochaine émission, du coup on s'y rend. Et Trevor qui va devoir lâcher Patricia, lui qui il a dévoué un amour fou. Incroyable. Donc voilà, encore un petit coup de pub pour le let's play de Valo et de Pedro pour la prochaine, enfin de Valo et de Pedro qui le font sur PS4, qui est assez énorme, tout simplement épique, puisque les deux de mes amis, justement Valo et Pedro, si vous connaissez pas, allez voir leur chaîne, qui seront, je sais pas si je mettrai dans la description parce que des fois j'y pense pas. Enfin voilà, vous avez juste à taper sur YouTube, normalement vous tapez Pierre Pedro et Valo, je sais pas si on trouve direct. Il me semble que oui quand même. En tout cas, personne sur YouTube qui doit avoir le même pseudo. Ou alors vous tapez Valo Stylo. Voilà, vous savez écrire stylo. En principe, sauf si vous êtes un Kiku de 8 ans et demi. Mais de toute façon, on y passe tous à ce stade de Kiku. Donc voilà. Vous pouvez retrouver leur chaîne. Et ça se passe sur Video Gaming QG. La chaîne sera dans la description cette fois-ci. Parce que je pense que je la mettrai pour les futurs épisodes de GTA. Pour que vous retrouviez tous les épisodes de leur incroyable let's play, leur incroyable épopée. Voilà, tout est dit sur ce let's play. Allez le voir, qu'il fasse des vues. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été le voir suite à au moment où on en avait parlé dans la vidéo débat, ou en tout cas aussi la vidéo, peut-être la vidéo délire aussi. Il y en aura d'autres, des vidéos délire. Peut-être qu'il y en aura eu pendant les vacances. En tout cas, si elles sont pas terminées, je pense qu'il y en aura pendant les vacances, des vidéos délire sur GTA, peut-être une avec Digix. Il y a c'est probable, puisqu'on va tourner une troisième et normalement dernière session d'Assassin's Creed 2 pour terminer le jeu, et peut-être qu'on va commencer Brotherhood aussi derrière, puisqu'on va les enchaîner, ces jeux. Donc c'est parti, si vous regardez le Assassin's Creed, si vous le regardez pas d'ailleurs, je vous invite à aller le voir, même si c'est pour laisser un petit like, un petit machin, un petit commentaire, un petit truc, même si c'est plus sympa de regarder la vidéo, mais voilà, c'est toujours des bons moments passés. Et puis si vous aimez les épisodes détente, bah vous pouvez que les regarder. On est là pour le commentary, pour passer un bon moment. Pas forcément pour le gameplay, même si c'est vrai que sur Assassin's Creed 2, on a un gameplay qui est tout simplement magnifique. Parce que c'est un des meilleurs jeux Assassin's Creed, qui passe largement devant le 3, Black Flag. Et même Unity, qui, bon, beaucoup le dénigre, mais il est vraiment magnifique ce jeu. Moi j'ai vraiment passé un super moment à jouer à Unity, que j'ai terminé et que j'ai bientôt fini à 100%. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, j'aurai certainement terminé à 100% d'ici là. C'est-à-dire tous les coffres, toutes les missions, tous les trucs secondaires, toutes les... enfin, tout. CEO of a big international corporation, it's very time consuming. Nothing, of course, you'd understand, being a gentleman of leisure. You know, Franklin, if there's one thing
that you're gonna learn from being around us? Plead just... fucking insanity. Then they can't fry you. If you want something done, go to the busy man. This rich fuck is useless. Hold on, man. Can y'all knock that shit off? Oh, look! Fucker. Boys, your boys, it's the feds. Hey, where's the other three? What other three? We told you to bring along six. This is a six-man job. No, you didn't. Dave did? No, Dave didn't. You said you'd do it. That is a frickin' lie. I do not get things wrong. All right, great. Then we're out of here. Fuck it. Let's go. You three can do it alone. And I fuck you. You do your own dirty work. Hey, I do my dirty work every day, keeping the country safe from scum like you. And you're doing a great job, sir. Hey, you want this job done? Then come with us, huh? Come on! Come on, Mr. Leisureware, Mr. Depressed Accountant! Let's go save America! Who the fuck are we saving it from this time? This is the real deal. My sources are convinced there's a plot in International Affairs, you know, the agency, and they're using this facility to make a serious nerve toxin. Bullshit! Yeah. Which they plan in their mind-blowing insanity to let a major terrorist release on a metropolitan area so they can continue to get funding. Nothing increases funding for fighting terrorism more than successful acts of terrorism. All right. So let me get this straight then. No. There is no getting it straight. That's the point. Now we're doing this. You two are on getaway. Fuck off and make it happen. Michael, you're with us. What size flipper you wear? Ok, donc moi je dois vous faire une petite ellipse, je vois qu'on est bientôt à la fin de l'épisode, en plus on va vraiment finir cette mission rapidement, l'épisode durera certainement 30 minutes. Donc moi, je vous laisse la petite animation très rapide au moment où on rentre dans le bateau, et je vais vous dire, ah, tout de suite, donc pour vous ça change absolument rien, moi je pense que je vais juste manger. C'est parti, du coup, ellipse. Re tout le monde, donc ça y est, je suis de retour, j'ai mangé un petit peu. Et c'est parti, on poursuit cette petite mission, du coup on va essayer de la terminer rapidement puisqu'on est déjà à 22 minutes d'épisode. Donc voilà, on va aller galer. Je sais que cette mission est un peu longue, mais bon, de toute façon on va pas l'arrêter maintenant. J'ai envie vraiment de partir sur un épisode détente la prochaine fois, et pas de déborder avec une autre mission et avec une autre ellipse, avec machin. On part vraiment sur d'autres bases d'ici quelques jours, parce que j'ai regardé, enfin j'ai calculé un petit peu dans ma tête, ça m'arrive de, normalement l'épisode sortira encore pendant les vacances, le prochain, ou en tout cas celui-là sortira pendant les vacances, le prochain peut-être au début ou au moment où j'aurai repris les cours, parce que certains sont déjà en vacances, hein. Enfin, sont déjà en cours, même la plupart, parce que je pense que cette vidéo sortira la deuxième semaine. Même, c'est sûr. C'est sûr et certain. Plongée. Ouh. Allez, c'est parti. Allez, on balance un petit... une sorte de petit fumigène, machin. Et on va aller faire cette mission qui m'intéresse beaucoup, puisque j'avais fait une petite vidéo sur le labo humain. Un mystère qui a beaucoup marché, puisqu'il a atteint quand même les 110 000 vues, peut-être. Donc c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. C'est un des plus gros mystères de la chaîne. Donc c'est parti. C'est parti. Et c'est grâce à vous qu'il a autant marché. Ouais, j'ai le chalumeau. Ce chalumeau nous sera utile. Vieille référence, pour ceux qui connaissent. À l'époque où les jeux de la franchise étaient encore bien. Allez. Oh, R2, ok. Ok. Faut attendre encore un peu ou... Ouais, faut vraiment attendre. Ok, donc ouvrir cette grille, c'est un peu la galère. Allez, on continue. Concentrer sur notre travail. Ah ouais, on en a en plus. Ah d'accord, en plus de ça, on a un truc de gaz, enfin, une limite de gaz. Ok, d'accord. Alors on est assez mal barré. Ok, ça c'est fait. On est assez mal barré.
Donc je vais vérifier hein, dans d'autres vidéos, il n'y a aucun moyen que... enfin, qu'il y ait un autre tunnel sous... dans ce labo humain, et rien de spécial dans le labo humain. De toute façon, on peut y aller en online. C'est sûr. Allez, allez, allez. On poursuit un petit peu. Ok. Allez, allez, allez. C'est fait. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions pour le prochain épisode, bourrinez dans les commentaires comme j'ai déjà dit. Allez, allez. Allez, on continue. Je suis sûr qu'il va y avoir un truc de médaille sur le gaz. Ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, on est mal barré. Bon, ça va tenir, hein, ça va tenir, mais... mais en tout cas, heureusement que j'ai vu qu'il y avait ça. Parce que sinon, on était mal parti. Allez, ça c'est fait, c'est un petit peu le moment assez long de la vidéo, enfin de la mission. Allez, et on balance notre petite lumière. Okay. C'est parti, on s'infiltre. En mode vieux James Bond. Allez, entrez dans le labo humain. Et on continue, donc j'avais vu aussi certains passages sur les côtés, donc certains passages qui mènent nulle part, hein, ça c'est sûr. Et même dans les fichiers du jeu, hein, y a rien de spécial à propos de ce labo humain. À part que les couloirs sont toujours modélisés, mais la grille s'est reformée, enfin c'est refermé immédiatement derrière. Donc rien de spécial dans ce labo humain. Ce qui m'intrigue encore, par contre, et ça me continuera de m'intriguer, c'est... ce petit PNJ qui cherchait quelque chose au moment où on est arrivé dans le labo humain. Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo mystère, je vous invite à aller la voir. Normalement, vous avez juste à aller dans la playlist mystère qui est encore présente sur la chaîne et qui restera, puisque de toute façon, il y aura encore certains mystères, comme je l'ai dit. Et ou alors, sinon, vous allez dans les vidéos les plus populaires ou les vidéos... enfin, vous vous débrouillez, mais de toute façon, vous pouvez retrouver sans aucun problème la vidéo. Je nage sur toi. Oh. Allez, c'est la course. Oh. Allez, et on rentre dans... on monte à la surface. Allez, 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 à la surface. Donc on soit le premier. Le premier. Le premier. Je veux être le premier. Premier dans l'eau. Enfin, premier en dehors de l'eau. Et on monte à l'échelle. Du coup, en premier. À la tête de l'équipe, carrément. Avec nos palmes magnifiques. La détermination se lit sur le visage de Michael. We ready? I was born ready. Let's do this. Come on, Dave. What's the plan? Hey, hey, hey. We locate the toxin and action our escape strategy. That's what we got. Great. Lead the way. Allez. Dave, you're on point. I'm leading from the rear. I got to walk quick. Voilà. Ah, on a le... ah oui, le truc de... ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait un petit chargeur en haut. Il me semblait pas qu'il y était avant. Mais c'est vrai qu'ils ont fait quelques petites mises à jour. Comment ? Rockstar. Et du coup, il y a eu... certains nouveaux trucs, nouvelles armes, hein, notamment. Assez étrange, puisque justement, la PS3, ils s'en occupaient plus. Voilà. Tu nous as fait une petite crise d'épilepsie, toi. Allez, 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 allez. Go, 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 go. Tu meurs. Voilà. Ça t'apprend le respect un petit peu. Il faut qu'on continue. Eh, il fallait peut-être me le dire. Allez, allez, on fonce avec ta combinaison moulante. Comme dirait Bob, on dirait qu'il n'a rien sur la peau. Rien sur la peau. Mettez-vous à couvert pour ne pas vu. Allez. Pour ne pas être vu par les gardes.
On va les laisser. Ok. Allez, un tout petit peu de temps pour l'infiltration, tant qu'on peut rester discret de toute façon, en mode Assassin's Creed. Assassin's Creed. Allez, la porte, tu te dépêches, espèce de Mexicain. Tu le laisseras jamais? T'es sûr? Oh, parfait. Voilà. Parfait. Alors, tu fais quoi, le Mexicain? Tu le laisses mourir comme ta famille? Voilà, t'es mort. En tout cas, t'as pris une grosse décharge qui risque pas de te réveiller avant un moment. Allez, si on me tire dessus, tout le monde meurt. Oh, oh, un Vietnamien. Oh, dans l'œil. Allez. Il n'y a pas de... Il n'a pas de son pouvoir. Il n'a pas son pouvoir. Oh, non mais sérieusement. Pourquoi il n'avait pas son pouvoir chargé? Normalement, c'est bon. Oh, sérieusement. J'ai de sortir une arme automatique, là. Allez, allez. Bon, toi, on te repasse un petit coup dans l'œil. Hein? Juste... Ah, oh, c'est pas un Vietnamien. Oh, quoi que. On n'a qu'à dire que c'est un Vietnamien. Allez. Dans ton œil gauche. Enfin, ton œil droit. Allez, cette fois-ci, on fait pas la bêtise. Le fusil à pompe. Tu tires contre un mur, actuellement. Voilà, voilà, tu recharges un tout petit peu de ton pouvoir. Est utile dans cette mission, hein. Tu t'es pas pris de un petit peu des balles, toi. Allez, ça arrive sur le côté. On recharge. On se met en mode sneak. Allez, on avance tout doucement. Ils sont tous sur la mini-map de toute façon. Ok, ça augmente un petit peu. Allez, on le tue pendant qu'il est en mode. Allez, pendant qu'il est par terre. Bon, lui, il est mort, tranquille. Ah, on peut aller par là? Non, on peut pas, ok. Tant pis, pourtant sur la map, on voyait un petit truc. Oh, la ferme. On sautait, s'il vous plaît. Tu permets? Je suis en train de tirer sur des singes. Oh, oh, la SPA qui a appelé pour cette vidéo. Oh. C'est la violence. De toute façon, je crois que c'est dans les trucs bonus. Hein, de... D'accord. Alors, moi, je t'ai envoyé un coup de fusil à pompe. Toi, t'en envoies un, il n'y a pas de problème. Je... D'accord. Bon, on va arrêter de se mettre en sneak par contre. Allez, toi tu bouges. Bon, ça c'est ma place. Bon, tant pis. Allez, voilà. Qu'est-ce que je te disais? Allez, allez, allez. T'en as pas marre de rester là? Allez, voilà. Bon, là on va prendre plus une arme qui a un peu plus de portée. T'as pas l'impression de gêner, toi. Voilà, tu t'en vas, s'il te plaît. Alors déjà que tu gênes parce que t'es du gouvernement. Allez, allez, on continue notre petite course folle. De toute façon, ça sert à rien de nous tirer dessus, on a une neurotoxine super puissante. Voilà, là, y'a respect. Allez, viens nous chercher un hélico, toi, s'il te plaît. Ah non, on va là-dedans, ok. Ok, ok, allez. In my pocket.
is on its way. Good. Get this thing ready to move. I'm just a couple clicks out. Is the package ready? Allez, Trevor, dans ton hélico magnifique, ton sort de... Ça doit être un cargo vol. Ouais, c'en est un. Allez. Ouais, un poids lourd. Et on descend petit à petit pour aller récupérer doucement le cargo qui est juste ici. Ok, j'avais pas vu. Allez, allez, allez. Voilà, c'est parfait. Allez. Allez, tire-toi dans la jambe. Ah, tu fais tellement pitié. Bien sûr. Allez, on vole jusqu'à l'aérodrome et on va se quitter là-dessus sur ces magnifiques paroles et sur cet épisode qui aura duré Karim quasiment même qui aura duré 40 minutes hein. À peu près hein, globalement. De toute façon, le temps qu'on se quitte et que la mission se termine et qu'on reçoive un coup d'appel, enfin un coup de téléphone, on y sera, pas de problème. Donc en tout cas, si vous avez aimé ce petit épisode, le prochain sera... Enfin, il y aura moins de missions, hein, ça sera plus détente comme je l'ai dit. Là, on a eu vraiment deux très grosses missions avec le coup du train et celle-ci avec le labo humain. Donc qui ont été des grosses missions. La prochaine fois sera beaucoup plus cool, comme je l'ai dit. Donc bourrinez, je le rappelle pour la troisième fois dans l'épisode, bourrinez dans les commentaires si vous voulez... si vous voulez un épisode, enfin, de toute façon, il y aura l'épisode détente. Mais si vous voulez que je réponde à vos questions particulièrement, si vous avez des questions à propos du GTA, ou même à propos d'autre chose, hein, mais bon, essayez de centrer plus sur le GTA. Après tout, on est quand même sur le jeu, quoi. Est-ce qu'on pose sur le camion? Déposer la caisse sur la remorque. Ah oui, bah t'es pas difficile, toi. C'était de l'approximation la plus totale. On a posé ça en mode gros bourrin, juste parce qu'on était au-dessus. Mais c'est passé quand même. Allez, voilà, on pose l'hélico. Je vous laisse... Ah non! Pourquoi j'ai skippé la cinématique? Ok, parfait. Parfait, parfait, j'ai skippé la cinématique, je suis désolé. Si j'arrive à la remettre, je vous l'aurais remis de toute façon. Mais voilà, en tout cas, si vous aimez ce petit épisode, vous pouvez laisser un like. Donc voilà, Trevor avec Patricia. Oh bah... Allez, on la dépose. Allez, tu veux pas non plus faire continuer l'épisode un peu plus longtemps, toi? Donc en tout cas, si vous aimez cette petite vidéo, vous pouvez laisser un like, un commentaire, vous abonner si c'est pas encore fait, aller voir tous les autres épisodes dans les playlists, aller voir aussi toutes les autres vidéos qui sortent, que je sors tous les jours. Ah, mais bouge, toi. Voilà, voilà, et puis faites-vous une culture aussi. C'était gratuit. C'était complètement gratuit, ça n'a rien à voir, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, en tout cas, je suis désolé, j'ai sorti ça, c'était même pas voulu. Enfin bon, allez, c'est parti, on se quitte sur un petit moment romantique entre Trevor et Patricia. Ah oui, s'il vous maltraite. Ce Mexicain. Il y a des Mexicains partout hein, dans cet opus de série Rockstar. Là. Série des GTA. Avec la petite musique de fond. Est-ce qu'on lui met du métal bien? Ah là là. Allez. C'est parti. Avec une petite... Et quelle heure d'ailleurs? Sur le jeu. Il est 4h du matin, c'est parfait. Tu dors pas toi Trevor. En même temps, on a un insomniaque, psychopathe, machin et tout. Qu'on est en train de contrôler cela. Enfin, c'est très bien, c'est parfait. Allez, non, pleure pas, Trevor. Ne pleure pas. Non. Stay. You better
gonna treat her right, man! I will, amigo! Yeah, otherwise... The other ear! Of course! The way I see things, you and me and Michael, we're friends now. Good friends. Such good friends that we will make a great effort to avoid one another. That's fucking perfect! Thank Michael for the statue. It is exquisite. Yeah. Yeah, I will. Ok, et bah c'est parti, c'est fini, réussi, magouille, on ne bouge plus, 7 sur 8, ah, on n'a pas tiré dans un médecin, c'est dommage. Tire à la tête, 5 sur 15, réessayer, tant... ah, et bah du coup, oh là là, ça me dégoûte, ça. Et bah du coup, on va se quitter là-dessus, merci d'avoir regardé sur l'épisode si vous êtes resté jusqu'au bout. Je vous en remercie en tout cas, dites-le si vous êtes resté jusqu'au bout, ça me permettra de voir un petit peu qui s'intéresse vraiment aux épisodes et qui laisse des commentaires. En disant que l'épisode a été bien sans l'avoir regardé, hein, parce qu'il y en a certains qui disent ah oui il était bien sans avoir vu même ne serait-ce que 2 minutes de l'épisode, et ça me dégoûte. Mais enfin bon, c'est pas important, on va se dire à plus tout le monde pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.